video game narrative is an exploding and sort of sharding medium right now. Players can write their own stories, you know, whether it's emergent narrative, whether it's choice-driven narrative. A lot of these linear stories now have the quality of motion pictures and literature, but they also have that extra layer of immersion that those types of medium don't have. En 1967, le philosophe Roland Barthes publie un article intitulé « La mort de l'auteur ». Il s'interroge sur la relation entre l'auteur et son œuvre et affirme que l'auteur n'est jamais le seul garant du sens. Qu'une fois créée et offerte au monde, l'œuvre est libre et autonome. Par la suite, c'est la responsabilité de chaque lecteur d'en faire sa propre interprétation, réécrivant le texte pour lui-même. Quarante ans plus tard, Roland Barthes, Michel Foucault et d'autres adhérents de la nouvelle critique française auraient sûrement trouvé leur bonheur dans le jeu vidéo. Ce média narratif, où le lecteur, le joueur, est loin d'être une personne passive. I knew exactly those words were. I was afraid of the house. Le lien entre la littérature et le jeu vidéo, c'est que ce sont deux manières différentes de raconter des histoires. Donc initialement, on racontait des histoires via la littérature, dans les décennies, les siècles passés. Donc on utilisait le mot, on utilisait l'écrit pour raconter, faire rentrer le lecteur dans un univers, dans la tête des personnages. Il fallait l'immerger dans quelque chose. Donc déjà, il y avait de la matière pour faire imaginer les gens. Ensuite sont arrivés de nouveaux médias, donc évidemment il y a eu le cinéma, maintenant il y a le jeu vidéo. Ce qui est extraordinaire avec le jeu vidéo, c'est que non seulement les lecteurs vont être capables de découvrir l'histoire, mais ils vont être capables d'en faire partie. Ils vont incarner un ou plusieurs personnages de l'histoire, et il y a un niveau d'engagement en fait qui est nettement supérieur, ou en tout cas qui n'est pas le même qu'avec un livre, parce qu'on ne se contente pas de suivre un héros et de découvrir ce qu'il va devenir ou ce qu'il ou elle va devenir, on devient ce héros soi-même. L'écriture a souvent tenté de jouer avec la narration non linéaire et multidimensionnelle, comme le montre Feu pâle de Vladimir Nabokov, Le jardin des chemins qui bifurquent de Georges-Louis Borges, ou plus populaire encore, les séries Choisis ta propre aventure ou un livre dont vous êtes le héros. Dans les années 80, un sous-genre des premiers jeux vidéo, les jeux d'aventure textuels, vont d'une certaine manière continuer cet héritage. À une époque où l'image n'en est qu'à ses balbutiements, la narration prime. Il y a même des jeux écrits directement par les auteurs tels que Douglas Adams ou Thomas Endish. Aujourd'hui, sans nécessairement faire appel aux auteurs connus, les jeux vidéo puisent leur richesse dans la littérature. NES, we had Castlevania that was obviously inspired by Dracula and, you know, had a lot of gothic design and stuff to it. And of course, now we are getting those more direct adaptations like The Witcher, Metro 2033. Ken Follett's Pillars of the Earth was recently adapted into an adventure game too. Vous pouvez décider du genre d'homme que vous serez. Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Préférez votre côté humain? Une tournée générale, ça vous tente? The Witcher, c'est une adaptation quasi littérale, il y a une belle écriture, il y a surtout une belle adaptation interactive. Ou vivez en professionnel sans cœur, ayant sa propre vision de la justice. Hors de ma vue, ou je vous tue tous. Parce que c'est ça la question et la difficulté, c'est de traduire le littéraire en interactif sans que les gens s'ennuient en lisant des tonnes de textes, etc. Mais il y a de l'énergie dans The Witcher, et on a d'incroyables personnages, et ils ont été formidablement traduits. Heck, I mentioned Journey a while ago, and it's very directly based on Hero with a Thousand Faces and that concept of the hero's journey. There's a lot of influence there, for sure, as video games have developed, and I think that that's quite visible, yeah. Tolkien a inspiré, ils ne sont pas directement liés au Seigneur des Anneaux et à ses autres textes, mais a inspiré un milliard de bestiaires, de monstres, d'une autre humanité, un imaginaire dans le jeu vidéo qui est encore assez incroyable 50 ans après la naissance de ce médium. Mais ce ne sont pas uniquement les jeux vidéo qui empruntent quelque chose à l'univers littéraire. A l'inverse, les Romains s'inspiraient des jeux. Ian M. Banks, Neil Stephenson, William Gibson et Ernest Cline se sont tous imaginé le rôle que les jeux vidéo auront dans l'avenir. Ça, c'est l'Oasis.
Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. Ce n'est plus uniquement avec la manette qu'on peut s'immerger dans l'univers des jeux, mais à travers les pages des romans transmédia qui deviennent de plus en plus populaires. Lorsqu'on crée des histoires, on va créer des univers. Et dans cet univers-là, il y a énormément de choses à exploiter. Par exemple, il y a des gens comme Terry Pratchett qui a créé le Disque Monde et qui a écrit 30 ou 40 livres autour du Disque Monde à différentes époques avec différents personnages. Donc déjà ça, c'était un premier niveau d'immersion en fait multiple autour d'un univers. Et ce qui est super avec le jeu vidéo ou avec le cinéma, avec la BD, avec toutes ces choses-là, c'est que ça offre des médias supplémentaires pour continuer les histoires, que ce soit dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu comme The Witcher qui continue une série de livres de fantasy, ça permet de découvrir la suite de Geralt, ça permet de devenir Geralt. Et inversement, lorsqu'on a joué à d'autres jeux, à Assassin's Creed, à Mass Effect, quand on a vu les films Star Wars par exemple, et qu'on va se retrouver à lire des livres dans cet univers-là, et ben ça va offrir une perspective différente. Par exemple, le livre New York Collapse de l'auteur Alex Irvine a accompagné la sortie de The Division en 2016. People can read the book by itself. There's no question that it's enriched by interaction with the game too, and it also presents a different dimension of the game story because games and books are good at different kinds of storytelling. The game and the book talk to each other in several different ways. There are pages from the book that you can actually go and find in the game. They're collectible missions. And then there are also echo scenes, the sort of holographic memories embedded in the landscape, and those exist throughout the game's world. People have been writing books for a long time, and even movies have been around for 100 years, and so movie storytelling is pretty solidified by now. But games, nobody even knows what it's going to look like in, you know, 5 years, 2 years. The explorations of new gameplay modes and everything, and new VR stuff is happening in tandem with explorations of new ways of storytelling, and that makes it, to me, super exciting. Les thèmes, les dialogues, l'émotion. Le jeu et la littérature se rejoignent enfin par leur capacité à raconter des histoires et à faire évoluer la façon dont on s'immerge dans les mondes. This is a show for those of us who love a good story. It's also a show for those of us who love video games, or even better, both. Quand Samuel Grandset a commencé à analyser les jeux de la même façon qu'un livre dans ses cours de littérature et dans sa série Game as Literature, il s'est rendu compte de l'importance de la prise de conscience, encore nécessaire, pour que l'on voit le jeu autrement. I think one of the things that really made me realize how unprepared we are to look at video games in this way was when I was doing that class. We started with Ubisoft's Prince of Persia, The Sands of Time. And it was fascinating to see how talking to the students, they initially did not talk about the story. I asked them what they thought of an NPC character in the game, Farah, and their first thought wasn't about her character, her voice actress, anything like that. It was about, oh, she shot me with an arrow on accident this one time. And over time, that shifted because they were learning how to look at video games critically from a narrative perspective. Farah, no! Alors, est-ce que le jeu vidéo est l'avenir de la littérature, en tout cas de la manière dont on raconte des histoires? D'une certaine manière, oui, ça passera par là. Évidemment, les auteurs, comme les compositeurs, comme les graphistes, c'est-à-dire les peintres de notre époque, vont trouver dans le jeu vidéo, on va dire, des possibilités nouvelles pour s'exprimer. The passages were a pretty tight fit. Et il y aura des formes littéraires folles. Est-ce qu'on aura hein, La Recherche du Temps Perdu version jeu vidéo? C'est-à-dire une telle folie des mots créatrices, un corpus voilà, qui représente à la fois le côté ennuyeux de la littérature ancienne, mais le côté tellement moderne et nouveau que tous les écrivains futurs s'en sont inspirés. Oui, ça passera par le jeu vidéo.